une façon pour nous capable prévenir maladie ça c'est vacciner timon yo. Nous remarquons en pile que mon yo pas menen timon yo vacciner, mais meilleure façon pour capable prévenir c'est vacciner timon yo. Deuxième mesure de prévention qu'on capable prendre dans coude. Vous mettez coude comme ça et pour tousser, pour goûter l'autre pas et sortir de là pour contaminer un autre monde qui est en face. Vous avez lavé mon, bien sûr, dans toute maladie qui est contagieuse, vous faites toujours laver mon. Et puis depuis nous, ouais, vous massez comme ça dit là, pressé, pressé, aller dans cette santé qui peut prendre la caille. Maintenant, j'en te dis au début de la présentation, quelle situation diphtérie en Haïti depuis mois de janvier, rivé mois de mars. Nous t'ai identifié parce que nous avons une direction d'épidémiologie, de laboratoire et de recherche qui est située d'Elma. Direction ça là pour faire surveillance épidémiologique. Ça veut dire depuis qu'on cas pour notifier c'est vers direction ça que y aller qui c'est secteur privé ou public y a notifié cas et diphtérie rentrer dans maladie qu'on fait pour notifier obligatoirement en urgence. Donc dans tout ça que y a notifié par direction ça nous gagnons te gagnons 20 cas qui te révélé positif et nous gagnons 7 spécimens en cours d'examen. N'a pas remarqué que 60% de moun sa yo qui te fait maladie ça c'est femme yo sexe féminin. 58.3% de moun sa yo qui te fait maladie ça yo te gagne un statut vaccinal non vacciné. Ça veut dire moun sa yo pas de vacciné, d'où l'importance de ça me so dire faut yo même ti moun yo al vacciné. Donc 58.3% ça sont information qui est extrêmement importante. 58.3% de moun sa yo là été questionné c'est des moun qui pas de vacciné ou bien yo pas connait si yo te vacciné contre maladie ça. Nous te gagne 7 décès depuis janvier à mars 2018 et 80% de Kassaye est fait par 14 communes. Il y a un bagage qui est important pour nous dire, c'est qu'en 2015, létalité était à 19.5 et actuellement, létalité est à 6.7. Ça veut dire qu'il y a plus d'efforts qu'à faire pour prise en charge maladie ça, même si il y a plus de bagage encore qui gagne pour le fait. Maintenant, on a passé, ce sont des mini-campagnes qui commençaient depuis le 11 mars et dans 40 communes à haut risque. Ça veut dire communes à haut risque. Ça veut dire que c'est des communes qui notifiaient au moins yon cas ou bien qui te gagné un décès par diphtérie. Donc c'est dans 40 communes que nous avons fait des mini-campagnes. À cause de grève douanière, campagne ça n'a pas été faite dans l'Ouest. Mais dans 8 départements, nous avons gagné un vaccin pour nous être capable de faire dans 8 départements à part l'Ouest. Et quand par ça a été fait du 11 au 15 mars 2018. Pour le département de l'Ouest, quand par la fête, l'a commencé le 8 avril, l'a fini le 13 avril. Pour qui ça a commencé le 8 avril? C'est parce que il y a une classe dans le monde pour nous vacciner qui devait être de 7 à 14 ans. Qui en vacances pour le moment, l'école est fermée, nous connaissons avec semaine Pâques là, l'école est fermée, donc nous avons commencé après Pâques. Donc, campagne ouest là a fait du 8 au 13 avril 2018. Maintenant, qui population cible? Nous avons des timons qui nous ont vacciné, des timons de 1 à 14 ans. 1 à 6 ans, nous avons à peu près 1 million 50 000 timons qui ont vacciné. 127 000 timons qui ont vacciné, qui ont un total de 2 373 302 timons qui ont supposé vacciner à travers la campagne. J'aime te dire au début, la campagne a fait dans 9 départements, 40 communes et dans 311 institutions. Maintenant, nous avons un monde qui veut voir, qui veut prendre notre liste de communes. Côté campagne, diphtérie a fait.
Napoua, Tibonite, South, Nip, Nord, Nord-Est, Nord-Ouest, Ouest, Sud, Sud-Est. Napoua, réalisé gen plus commune en Tibonite et plus commune dans le département l'Ouest côté campagne la fête. Maintenant, quelle stratégie nous gagnons pour campagne ça? Ce soit des stratégies fixes ou bien institutionnelles, ça veut dire dans l'institution, ou bien des postes de rassemblement au niveau communautaire, ou bien mobile dans le jardin d'enfants, dans l'orphelinat, dans la crèche, dans la première, dans l'école, dans la classe fondamentale. Donc, c'est là que l'activité est faite. Maintenant, quelles ressources que nous avons mobilisées pour campagne ça? Nous avons à peu près 3181 personnes qui ont mobilisé avec opérateurs, superviseurs, moniteurs, encadreurs et puis des consultants nationaux et internationaux. Maintenant, ressources matérielles là, ça qui est plus important, c'est avec seringue, avec coton et vaccin disponible pour nous, puisque grève l'enlevée, nous sommes capables de prendre vaccin, donc il est disponible pour campagne dans l'Ouest. Là. Qui budget? 169 354 234 gourdes. Pour qui ça? C'est seulement pour coût opérationnel, vaccin ou paladal. Donc c'est pour ça que je demande la presse pour capable de nous faire passer ce message-là pour que les gens soient vaccinés. Pendant la campagne, pour que les gens soient vaccinés, mais pour que les gens soient vaccinés aussi dans la routine. Ça veut dire que les gens allaient pour recevoir l'ordre, pour recevoir trois doses, pour recevoir trois doses. L'ordre pour recevoir l'appel, pour recevoir l'appel. Parce que actuellement, le problème qu'on a confronté dans le pays, c'est que en plus, si on recevait la première dose vaccin, il ne pas recevoir le reste. En plus, si on recevait la deuxième dose, et puis il pas l'appel. Donc c'est dans ce sens ça que c'est pour ça que nous voulons mettre le budget ça parce que 169 millions ça t'es qu'à faire l'autre bagaille. Donc ça reste là et deux nous pas passer c'est pour Timonio vacciner de manière routinière dans routine là côté pour aller dans centre de santé et côté abjoindre vaccin disponible. Alors nous voulons partager avec nous quelques résultats partiels de campagne là que nous t'ai fait dans 8 départements. Tant qu'on est dans l'Artibonite, nous sommes supposés vacciner 476 273 timon, c'est 271 000 actuellement. Bien dit, c'est des résultats partiels, parce que nous avons des données, 4 vignes jeunes nous toujours. Donc 61,68% de timon qui sont supposés vacciner dans la campagne. Nous pouvons prévoir qu'ils vaccinent dans le nord. Et c'est là à côté, nous pouvons joindre un peu de résultats. Et résultat de nos COVID-19, c'est 24%, dans le nord, 55%, dans le nord, 74%, dans le sud, 44,9%, dans le sud-est, 36,46%, ce qui donne actuellement 52,72% de population cible qui vaccinée. Même où dit encore, ce sont des données partielles. Nous sommes capables toujours de la presse données finales dans nos fins gagnées. Maintenant, pour répéter ce slogan, ça, et je vous invite pour nous faire passer dans la presse, je vous invite la population, surtout les monde de 1 à 14 ans, pour mener à vacciner contre diphtérie, sorti dimanche 8 avril, pour arriver 13 avril 2018. Donc, je vais quitter nos cognats avec deuxième sujet et je suis disponible après que nous finissons par parler. Formation dans le domaine des sciences de la santé. Pour qui ça nous choisit ce sujet ça? Par contre, si nous notons que le ministre l'a répété plusieurs fois, que le système de santé, c'est non seulement matériel, médicaments, l'hôpital, mais c'est aussi et avant tout monde. Ça veut dire que si vous n'avez pas de monde et si vous n'avez pas de monde de qualité, quel que soit son gain, le système n'a pas bien marché. Actuellement, nous confrontons à une réalité qui est différente de s'altérer, par exemple, moi-même, moi, j'ai fait études de médecine. Moi. Et pour que nous la médecine, nous avons une grande faculté qui a formé les gens, qui a formé les docteurs. Qu'on y a là, il y a plusieurs. Et nous connaissons tous les phénomènes, l'école infirmière qui a poussé dans la rue à Kankou-Djon-Djon. Gen phénomène l'école technologie toute qualité l'école apparemment qu'on y a là depuis mon nan gen deux pièces caille li décider que li ka louvon l'école pour former miss pour former docteur nous mettez des professionnels de qualité au service de la population et pour l'accomplir mission ça
faut que les gagnent professionnels ça qui bien formés. Nous avons plusieurs catégories de professionnels qui intervenus dans offre de soins de santé. Nous avons docteurs, nous avons dentistes, nous avons pharmaciens, nous avons sages-femmes, nous avons infirmières, nous avons technologistes, etc. Un aspect qui est important, c'est nous saluer les portes d'entrée dans le système. C'est-à-dire que jeunes professionnels, les fins formés, qui vont rentrer dans le système. En général, nous avons deux rentrées, une à un premier niveau que nous avons l'internat, une à un autre niveau que nous avons le service social, et puis ensuite que nous avons habilité les papiers pour fonctionner comme un professionnel qualifié. Mais qui ça nous remarque? Le fait que nous avons plusieurs écoles qui ont formé les gens, formation n'est pas standard, formation n'est pas uniforme. Donc l'État a pour mission pour voyager sur tout ça. Pour ce pas pire devant qu'on a la laine ou après rencontrer problème pour nous obliger à faire face avec eux. Alors que depuis avant, nous avons gagné des moyens pour nous prendre des dispositions pour problème ça n'est pas arrivé. En termes de chiffres, nous connaissons, il prend en Haïti 6 ans pour former un docteur. Il prend 4 ans pour former un pharmacien, environ 4 ans pour former un infirmière, 4 ans pour un sage-femme, 4 ans pour un dentiste, et 4 ans pour s'en relayer des technologistes médicaux, etc. Mais 4 ans, ce n'est pas une durée, c'est un programme. Ce n'est pas parce qu'on rentre dans l'école ou chez toi, on fait 4 ans, et puis l'on sortit qu'on mérite les papiers que vous avez le barreau. Donc, il faut un système qui peut contrôler les papiers, ça, pour connaître si papier est valable, si papier est vle dit en bagaille. Il y a plusieurs façons qu'on peut contrôler un papier. D'abord, c'est examen. Pour est-ce que ça qui est écrit dans le papier à mon nom, dans le cerveau, mon nom, qu'il mérite. Deuxièmement, c'est ça, l'homologation. Mon nom, bon papier, il est formé en côté, mais au besoin, vérifier si il est conforme. Ou bien doit faire des vérifications avant que me passe directeur et formation la parole à protéger des détails techniques. Ou bien doit faire une vérification à partir de titre. Ou bien doit faire une vérification tout sous connaissance. Mais sans parler dans le détail, je dis que l'organisation, son loi qui te prend, côté que le SA, c'est seul l'État qui t'a formé personnel. Maintenant que vous avez plusieurs sources de formation, et loi n'est pas jamais retouché. Donc, ça vient poser certaines fois un problème. Est-ce que un monde qui est formé dans le privé avec des fonds propres, des fonds personnels, fonds parents, etc., ou bien un monde qui est formé à l'étranger, qui passe aussi dans un système subventionné par l'État, est-ce que le monde ça lui doué service social? Maintenant, même là, ça a tout fait obligation pour un monde qui a un papier pour fonctionner comme docteur, ou bien comme infirmière, ou bien comme, en tout cas, comme docteur dans ce système-là. C'est le service social là qui peut permettre qu'il y ait un bon papier ça. Donc ce qui fait, on vient une pression sur vous pour bailler tout le monde service social parce que c'est après le service social là que le monde a le droit pour faire licence pour faire une série de papiers. Donc tout ça, c'est des débats qui méritent pour nous faire, pour faire dans la société, pour nous connaître. Est-ce que une loi qui est faite, nous avons une grande faculté qui a formé docteur, même là, ça n'est pas toujours appliqué, là, nous avons qu'on y a là plus de. En tout cas, nous avons environ 6 facultés. Qui sont censés, sous peut-être 12 ou 18, il y a 6 légales qui ont fait ça, mais il y a tout qui n'est pas reconnu, mais qui est bien connu, j'en ai rien à dire. Et je vais quitter le directeur à lui-même, lui rentrer dans le détail technique. Je vais dire que, en termes de coûts, par exemple, pour l'État haïtien et pour le ministère de la Santé publique, rien que pour catégorie professionnelle, ça, il coûte nous environ 10%. De salaire que tout, pour tout professionnel santé en général. Donc, imaginez que pour jeunes qui peuvent aller dans le service social, pour jeunes qui peuvent aller dans l'internat, ça fait environ 10% de masse salariale ministère, etc. Au même ça, qui ça nous remarque, c'est pas l'année service social dans lui-même, il vient une année obligatoire parce qu'il a droit à licence là, mais certaines fois, nous manquons contrôle sur qualité service social là lui-même. C'est pas une année formation pour aller peut-être rentrer dans des détails techniques avec nous, mais tout ça pour nous dire que en deux ministères, nous conscients qu'il y a des problèmes dans la formation et qu'il y a des équipes qui travaillent sur eux, et au fur et à mesure que nous avons venu avec des propositions de changement, il y a fait. Nous perdons des fois de gagner des mondes qui ont plein dit oui, il y a besoin d'un service social, oui, il y a besoin de faire internat, il y a besoin de faire ceci, il y a besoin de faire cela. Mais un petit calcul simple pour nous. Pour me voir faire service social, d'abord, il faut me dire côté pour faire service social.
faut m'assurer que on a besoin d'un côté pour loger le faire service social là. Et ça qui est plus important, l'État dans le budget il y a moyen pour le bon frais qui affecté à monde qui parle dans service social là. Nous remarquer que on pas parler de salaire parce que monde qui a dans service social là logiquement il n'est pas un professionnel ni budgétisé ni affecté ni sous contrat avec l'État haïtien. C'est un monde qui fait une boucle en cycle d'études et comme il demande pour faire une année de service social avant quelqu'un doit à papier et pendant année ça il y a un frais qui est disponible pour monde ça. Maintenant si on te gagne en prévision pour 200 monde qui parle en service social et puis qu'il y a là ou gagne 2-3 facultés que ou pas même connaît qui volume monde qui te gagne en formation là caillou qui brusquement dans quoi année a vienne porter 200 300 plus barou pour bailler au service social, donc ça pose un problème d'ajustement. Et c'est pour ça souvent nous entendons des petits problèmes gagne des groupes monde qui disent que dans le service social yo fait compétent ou pas joine. Des fois, nous avons le salaire, mais nous avons le frais de fonctionnement ou bien chèque de fonctionnement, etc. Donc, bien peut-être, nous sommes capables de faire des questions sur la formation et que nous allons retourner après pour me répondre. Je passe au Dr. Lassène, qui est directeur direction de formation et de perfectionnement des sciences de la santé, qui peut-être parle de nous plus de détails, pas qui peut-être, qui sûrement parle de nous plus de détails techniques sur l'organisation de la formation. Parce que nous toutes là, nous au courant tout que dont information qui a circulé que à partir de 2023 nous fait face à un problème d'accréditation pour faculté nous. Mais tout ça c'est des bagages qui liés à des conséquences que moun qui sont terrain qui dans formation est supposé ou du moins c'était connaît que yo t'a pas venir mais il y a des dispositions et des mesures qui pour prendre. C'est pas une mesure qui définitive et sans action. C'est justement si nous pas fait ça ne vient pour nous faire que la privée. Donc c'est pour ça depuis qu'on y a pour nous commencer le travail, pour ce n'est pas l'aide 2023 arrivée ou bien la veille 2023, pour nous constater que on bagaille que nous avons été venus depuis des années, nous n'avons pas fait rien, et puis l'aide arrivée qu'on y a là, pas gagné réel, pas macorel, j'en aurais même dit. Nous-mêmes, nous parlons de l'état de présenté déjà. Et cependant, qui côté nous avons formé ici? Nous connaissons que, et pour le moment que nous avons parlé avec nous là, gagné. Nous recensons près de 18 facultés de médecine. Il y a seulement 6 qui ont papier dans les mains. Il y a 2 facultés d'odontologie, il y a un seul qui a droit à faire formation. Il y a 2 facultés de pharmacie, il y a un seul qui a droit à faire formation. Il y a une école de sage-femme. Il y a près de 174 l'école qui a formé infirmières que nous recensons. Mais au niveau du ministère, là, c'est 83 là-dedans qui gagne un papier reconnaissance. Nous gagnons 2 écoles qui ont droit à faire formation sur technologie. Ce qui mène nous d'un côté que si nous prenons chaque professionnel, ça, notamment les médecins et les infirmières, nous avons un petit problème qui pose. Le premier bagage là, c'est que faut formation est de qualité parce que nous, là, nous gagnons les compétences qu'il faut. Eh bien, nous connaissons que il y a un pile taux d'échec là très élevé dans ça qui a passé dans exigence 2023 qui pas en jouette et qui déterminé depuis 2010. Nous gagnons la question des diplômés de l'étranger qui a venu en force parce que gagné en pile et ont dépassé même quantité qui a formé en haïtien. Nous gagnons des médecins qui forment Cuba, nous gagnons qui a formé au Venezuela. Et gagner tout même des programmes de résidence, ça nous est les monde qui fait spécialité, que le ministère a beaucoup reconnaître non plus. Il y a aussi les hôpitaux qui a formé, il faut que l'hôpital y a en mesure pour former les gens, parce que nous pas capables, nous sommes en santé. En santé, on pas qu'à jouer avec qualité formation. Maintenant, par rapport avec le problème, ça y est. Il y a un problème de service social, c'est un problème de résidence que le ministère joint, notamment le calendrier de formation qui n'est pas fait. J'en ai fait là. Nous avons un nombre de résidents qui prennent le service social qui a augmenté et le budget n'est pas élastique. Nous avons un nombre d'internes qui dépendent de l'université, mais comprennent tout que ce ministère-là, la plupart du temps, qui a payé, mais pendant la payer, il n'est pas connaît combien de monde. Que l'institution va former exactement. Ensuite, nous gagnons beaucoup plus de monde qui a fait demande pour y aller faire spécialité, parce que plus qu'il y a de monde qui a formé,
plus ap gen de monde ça et ministère lui-même faut faire face avec couyo et en même temps bon question vous poser c'est que en pile dans monde ça qui formé gan pile tout parité dans pays donc ça veut dire direction sous lit pour que effectivement si nous faisons investissement pour nous ban nous un rendement certainement par rapport à tout problème ça il y a des mesures de redressement que le ministère l'en prend. La première chose, il y a une direction de formation que depuis le mois de juillet année passée qui est en pleine restructuration. Restructuration, côté que nous gagnons 4 services qui mettaient sous pied, qui pour permettre que nous vraiment adresser les problèmes. Il y a un service qui est occupé de l'institution, il y a un service qui est occupé de l'examen d'État. Il y a un service qui occupe le de bail mon permis pour exercer et un service qui a occupé de formation continue et de bourse. Et en même temps, le ministère a renforcé le capital pour que lui mette des compétences de manière à ce que vis-à-vis yo capable de gagner une discussion tout à fait correcte. Et il faut au niveau du ministère nous faire un pile effort pour que partenaires nous yo, institutions yo ou et diplômés yo ils vont recevoir dans de meilleures conditions, mais en même temps, pour nous, fait que nous sommes respectés. Maintenant, sur la reconnaissance des institutions, qui mesure qui prend année, ça, le ministère a travaillé pour que l'on fasse sortir profil tout professionnel qui est formé ici. Parce que si on a formé ici, un, faut que formation li répond à besoin pays en même temps pour lui répondre à standard international. C'est ça qui est important pour nous. Deuxièmement, nous ka comprendre que à partir du profil là, nous supposons qu'il y a un programme qui standard qui répond à norme et qui en conformité avec profil là. Nous faire sortir aussi manuel de reconnaissance, ça veut dire que yon côté qui dit mais comment pour au monde faire institution et mais qui gens pour ministère reconnaître. Si vous pas satisfait exigence ça yo, nous désolé, nous pas capable aller l'avant. N'a continuer contrôler institution qui déjà et gagner reconnaissance. Nous allons continuer aussi évaluer l'autre dossier qui soumettent à et nous-mêmes pour une évaluation. Et nous faites ce voyer près de 55 correspondances by des institutions qui pas reconnues pour nous dire par rapport à dossier mais ça qui vient pour faire. Gèl lot qui pas même faire demande. Nous annoncer sur site ministériel les institutions qui sont reconnues, il y a publié pour que tout le monde connaît qui institution qui gagne droit former monde en Haïti. Nous faire sorte réévaluer qui déjà gagne reconnaissance pour nous voir est-ce que il continue qu'embé standard là. Il y a 4 facultés de médecine qui peuvent recevoir correspondance du ministère là, par rapport à exigence, ainsi que y a une faculté de pharmacie qui peut reconnaître. Maintenant, pour examen d'état, je dis là, c'est seul infirmière qui a passé examen d'état. Mais il faut comprendre que toute catégorie est supposée passer examen d'état. Et par rapport avec infirmière, nous connaissons des crises. Année ça, nous organisons examen. Et dans le cadre d'examen qui est organisé, il y a 4195 candidats qui participent dans l'examen. Et il y a 1172 qui réussissent, qui bat nous à peu près 28% de résultats de score. Maintenant, nous avons un bas, mais il faut comprendre tout, il y a une réalité par rapport avec l'institution qui a formé mon institution. Et n'a profité pour nous, l'école qui va nous environ 87% de réussite. Nous invitons notre école à suivre modèle ça. Maintenant, il y a un manuel tout que nous, ça c'est un livre que nous préparons pour examen fait. Donc nous préparons nous en attendant que l'IE est dans l'autre catégorie. Yo. Il y a aussi les licences pour exercer. Parce que pour nous exercer dans le pays, il faut que nous gagnions un permis. Donc, quand on n'a pas de permis, l'app fonctionnait de manière illégale. Et à n'importe quel moment, la loi a frappé. Donc, maintenant, il y a une problématique entre licence et permis. Le ministère travaille sous lui. Il y a une obligation pour les gens d'enregistrer. Il
gagne une question de homologation yo, et il y a aussi des étrangers qui a pratiqué en Haïti qui nécessairement besoin gagner permis du ministère parce que faut nous gagne contrôle sur tout le monde qui a agi sur population. Il y a aussi les bourses pour agir sur eux-mêmes parce que gagne loi qui dit comment vous bailler mon bourse ici. Nous gagnons tout le travail qui a fait sous et service social là et nous capable nous garantir que le ministère là l'app là pour que tout ça y réglé. Maintenant il y a de nouvelles exigences du ministère et une bagaille que nous bien pour nous dire c'est que toute faculté de médecine est supposée réaligner par rapport à exigence. Cependant, 2023, ce n'est pas pour le ministère là, en priorité que les enseignants, mais pour l'institution qui a formé. Et formation, là, le cadre qui devrait venir certainement par rapport à ce qui a passé sous terrain. Cependant, il y a des contraintes. C'est que le texte de loi, il faut qu'il y ait adéquation avec et tout ça, dit, et toute régulation. Là. Il y a aussi les mauvaises habitudes. Nous connaissons que, il y a toujours dit, mauvaises habitudes qui sont vendues, pas vrai? Il est difficile pour y accepter. Et aussi, leur parler de changement, ou gagner très souvent des résistances parce que la plupart du temps, nous avons plus défendre intérêt particulier, alors que nous-mêmes, au niveau du ministère, nous avons gardé intérêt collectivité. Donc, en fin de compte, c'est pour nous dire que le ministère, là, est un cadre lien, c'est un ministère qui a travaillé comme un état serviteur, qui respecte tout partenaire et qui gagne comme plus grand objectif, c'est bien-être population. Donc, quelle que soit la décision que nous prenons, c'est pour que la population soit capable de meilleure santé et c'est pour nous protéger. Pour que tu répondre pour la première question, je vais aller justement là, est-ce que nous pouvons aller voir la campagne qui peut le faire pour diphtérie, elle peut le faire même, j'en le fait pour. Question filarieuse là, comme si tout le monde allait, nous, jusqu'au moment où nous présent, tout côté, dans ces deux points spécifiques, nous voyons que tout le monde est capable d'aller plus haut pour le vaccin. Et puis, pour question, il y a un produit qui, qu'on y a, nous gagnons, il y a une série d'agents que nous mettons sur le terrain pour vérifier que s'il y a, il n'y a pas continué à vendre avec l'autre produit que nous mettons dans le cadre de ça. Quand elle a commencé le 8 avril, elle a fini 13. Donc, la fête à deux niveaux. Premier, c'est dans l'institution, c'est-à-dire que cette santé, l'hôpital, dans la commune côté que nous avons réalisé campagne. Et deuxième, c'est dans le poste rassemblement. Mais ce qui est plus important, c'est que nous avons des spots qui vont passer dans la radio. Donc, il faut que nous encourager les parents et les ménétimons. Et dans l'Ouest, nous faisons comme ça, le ministère de la raison. C'est parce que l'école, ça n'est pas proposé. Gagner tout pour la vacance. Donc, nous avons voulu gagner tout le monde. Donc, c'est pour ça que nous avons fait à la rentrée. Et nous avons passé dans l'école. Yo, et le ministre a demandé pour le personnel de santé de gagner tout pour vacciner. Puisque, face à l'épidémie, n'importe qui est capable de rappeler. Et le ministre de la Santé publique prend toute disposition. Et le ministre de la Santé publique prend toute disposition dans la tête collée avec le partenaire. Pour capable de porter une réponse adéquate avec question diphtéria. Il y a deux bagailles pour me clarifier pour vous. Premièrement, le ministère de la Santé publique a agi conjointement avec le ministère du Commerce. Le ministère de la Santé publique n'a pas régularisé la vente. Donc, ce n'est pas tout à fait le rôle premier du ministère de la Santé publique pour mettre des agents pour aller saisir sa cap vente. Il mette des agents, des officiers sanitaires ou bien des inspecteurs sanitaires pour surveiller la qualité produit. Ensuite, c'est pour nous retourner dans l'origine, ça que tu fais, tu mettais produit ça en quarantaine ou bien tu relais. C'était un lot que tu joins qui était contaminé. Il n'a jamais été dit que tout produit Célia ou bien depuis on l'a marqué Célia, il est poison, bien le pas bon, il est contaminé. C'est un bagage bien ponctuel qui était fait dans le cadre spécifique de production. Même usine qui t'a produit, hein, à partir du moment que tu prends des mesures contre l'usine, hein, pour faire ça relève assainissement là dedans ou bien aseptisation j'en veux relève là, ça veut dire que usine ça n'est pas en mesure encore pour le produit lait en tout cas qui t'a potentiellement contaminé. Autrement dit, c'est pas un problème qui était local ou bien national, c'est un problème qui était international. Nous avons ton petit branche un petit lot qui était retracé qui était venu ici comme les mains vont voler par contre sac mâle sac femelle ou flitter tout.
Donc, il a dit, mettez tout produit qui était gagné, qui était passé par usine, ça a été fabriqué en quarantaine. Mais ça n'a pas voulu dire que y a une continuation de production et que si jamais tu as une boîte de cellules sur le marché, il y a li potentiellement infecté ou bien li déjà infecté. Mais je pense tout que le ministère du Commerce, te font travail et moi même t'attendais ou t'ai annoncé ça ou t'ai metté des inspecteurs qui tapent marché dans point de distribution pour te vérifier effectivement que mon yo pas de continuer commercialiser. DG et pardon moi Célia, nous pas nous connaît seulement est-ce que pour qu'on y a mesure à les lever. Quand par là a touché qui département qui pas ciblé et pour qui ça? En plus déjà gagné 7 cas de décès qui enregistré, nous pas nous connaît qui commune qui plus touché par maladie et diphtérie. Le ministre avait avancé plusieurs chiffres, par contre 2 millions de personnes ont été touchées dans la vaccination avec le budget à Dubaï. Est-ce que ces chiffres sont nationaux? Oui, c'est le budget national pour le premier tour. Là. Ça veut dire qu'en parlant, on peut faire en trois tours. Et en première dose, en deuxième dose, en troisième dose, c'est budget pour le premier tour. Là. Et je suis capable de dire que le premier tour, ça, c'est possible avec l'aide de l'OPS OMS qui t'a aidé nous pour nous être capables de mobiliser les ressources financières pour nous être capables de faire premier tour vaccin. Deuxième tour, la date là pour programmer parce que nous avons essayé de compiler les ressources, joindre les ressources pour nous être capables de faire deuxième et troisième tour. Ça. Maintenant, ma présente nos directrices programme Énergie Vaccination, Capable Banon. L'autre information par rapport à commune, à département, ça n'a pas touché pour qui ça? Je me suis dit là, donc c'est 9 communes sous 10 qui concernent, en fait 9 départements sous 10 qui concernent. Le département qui va concerner, c'est le département de la Grande Danse. Et puis vraiment, sous département, c'est des communes, ce n'est pas toutes communes qui ciblent. Donc, mais le ministre a souligné également que c'est le département du Nord. Parle de l'Ouest, en fait, le département de l'Antibonite et le département de l'Ouest, il y a plus communes. Donc, c'est ça qui fait comparer ça, effectivement, il peut cibler communes, les 40 communes qui sont ces 10 départements. Non, parce que il n'y a pas à répondre à critères, il n'y a pas de notifier des cas, pas des cas qui confirment la grande. Donc, c'est le département pour le moment qui exempte le problème diphtérie. À partir de l'expose des directeurs généraux et directeurs techniques, la presse note que staff dirigeant, ministère santé a de faire montre de sens de responsabilité parce que je suis très préoccupé par un ensemble de cas d'irrégularité. C'est en question puisque cas d'irrégularité ça par exemple c'est seulement 6 centres d'enseignement qui autorisés pour fonctionner sur ce territoire. Ce qui veut dire que toute l'autre cas fonctionne sans autorisation et exposé vie population au danger. Maintenant question. Est-ce que régularisation sont à court terme, à moyen terme ou bien à long terme? Ma fait une mise au propos. Nous, mon pays, côté que nous n'avons pas assez de ressources humaines, ni en qualité, ni en quantité. Objectif ministère, ce n'est pas fermer. Ce n'est pas empêcher que gagner l'autre structure qui a formé professionnel. Objectif, nous, c'est faire que toute structure qui veut entrer dans la formation, lui répondre à des normes, lui répondre à des critères pour nous assurer que la qualité de monde la met dehors, qualité professionnelle la met dehors, elle est bonne. Femme du que, l'on découvrir, ou bien l'on a fait enquête, l'on a fait évaluation, nous jeunes qui ont une institution pas rempli conditions pour te former, ça ne veut pas dire que nous fermons l'institution en séance. D'ailleurs, nous n'avons pas de pouvoir pour ça, tout, parce que pour faire une institution, ça ne m'a pas de bagaille. Et pas oublier tout, même ça qui a pris information dans l'institution, il répond à un besoin. C'est un bagage qu'il a cherché, son savoir qu'il a cherché. Donc, l'université de l'État, ou qu'on aime, moins qu'on aime, il n'a pas de capacité pour recevoir tout le monde qui a fini le baccalauréat. Donc, c'est sûr que l'institution privée, qu'elle est une institution publique, dès qu'il s'agit de former de professionnels pour la santé, même ça lui répond à des critères pour nous assurer. C'est une mauvaise décision et que gros problème qui vivait avec un malade, finalement ce système sans... Oui, on capable de faculté de médecine privée, oui, on capable de l'école d'infirmière privée, mais gagner des critères pour respecter et non, moun pas qu'à décider, Jean Lidodio, les Lidodio, avec moyen Lidodio, pour dire demain, avec deux pièces carrées, où nous voulons l'école va former docteur. Parce que à ce moment-là, si moun yo a fait toute année à soi-disant à étudier médecine, mais là où il vient un moment côté que c'est nous-mêmes qui pour rentrer dans le système, il y a des difficultés. Parce que qui s'est passé dans l'enseignement privé médecine? Ils ont fait les premières années,
il y a pas enseigné tout monde dans la caillou. Maintenant, dans les dernières années, les deux dernières années, faut système là récupérer tout monde parce qu'il y a un stage pour le faire. Parce que médecine c'est pas seulement étudier dans livre. Gain moyen, gain ouais malade, gain suivre, ça nous les détourner avec des professeurs etc. Mais est-ce que tout ça qu'a formé docteur ça a une capacité pour assurer ça? Est-ce que yon tout gain côté pour ti moun yo faire stage? Est-ce que côté yon dit yon gain li répond à critère pour moun apprendre médecine? C'est pas parce que on moun nou chita nous dispenser ou est trois moun qui fait malaria par semaine qui veut dire qu'on a un diplôme docteur parce que c'est pas ça seulement qu'on va le traiter. Donc problème de la formation, on chasse contre la mauvaise qualité de la formation parce que c'est responsabilité pas. Le ministère de la Santé publique est un bras de l'État, c'est pas l'État. C'est-à-dire qu'à partir du moment que le ministère a fait partie par le travail là, l'identifier mais qui côté problème n'a posé, problème n'a pas discuter à plus haut niveau pour toute notre instance qui concerne intervenir. Il y a la justice, il y a toute bagarre, il y a l'éducation nationale, etc. C'est pas question seulement de ministère de la Santé publique, c'est question de l'État, c'est question de pays, c'est question de population. Reste n'a demandé tout le monde pour rappeler population que campagne là fini pour diphtérie dans 8 autres départements, mais elle a commencé pour département de l'Ouest qui sont gros départements avec le plus grand nombre de communes qui attaquaient. Campagne ça a commencé dimanche 8 pour finir le 13 avril et n'a pas invité toute population à mener tout le monde vacciné. Mais ce n'est pas ça seulement. J'aime te dire. Campagne dans le pays, ce n'est pas le meilleur moyen pour capable éliminer, pour capable porter en réponse envers une maladie. La meilleure façon, c'est pour Timonio Pépé. Femme enceinte vaccinée, Timonio vacciné, maintenant on prend vaccin, pas même seulement pour une seule dose ou bien une deuxième dose, il faut compléter le calendrier vaccinal. Ça. Et c'est sous message ça, maintenant vacciné pour campagne, maintenant vacciné et dans la routine, c'est sous message ça que nous avons quitté aujourd'hui et nous avons gagné pour nous tourner. Et la prochaine fois que nous avons tourné, nous avons parlé de Centre Ambulance Nationale. Pay him the call.